Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Encadrement encore, oui. Comme vous savez, j'ai terminé mon chat, mes chats en strass plutôt. Ça y est, je les ai encadrés. Donc ça, je les ai encadrés hier. Toujours avec un cadre de chez Action. Et là, comme c'est un 40-30, c'est un cadre avec vitre. Voilà, ceux-là sont pas trop lourds, donc je peux mettre avec une vitre. Comme d'habitude, j'ai recoupé mon passe-partout pour qu'il soit la bonne taille par rapport au DP. Et moi, je l'ai décoré un petit peu, le passe-partout, avec un washi, pareil de chez Action, qui est un fin, par contre, pas les gros, hein, les tout fins, ceux qui font 5 mm, je crois. De la couleur des strass qu'il y a sur le DP. Donc là, je pouvais mettre du vert ou du bleu, j'ai choisi le bleu. Et c'est un bleu avec des petites nuances brillantes. Donc ça fait super beau. Là, pour une fois, j'ai choisi un cadre couleur blanc cérusé. Ça change. D'habitude, souvent, je prends du noir ou du marron foncé. Là, j'ai pris blanc cérusé et le résultat est nickel. Hein. Vraiment superbe, ça rend très très bien. Et maintenant, il est mis au mur aussi. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez, dans la communauté, je vous ai mis un petit post comme ça avec les photos de tous mes cadres qu'il y a dans mon séjour. Donc, c'est tous les DP. Il reste un mur à vous photographier, mais là, il n'y a qu'une broderie et après, c'est des photos que j'ai faites en scrapbooking, donc sur les feuilles 30-30. Voilà. Mais celui-là, je ne l'ai pas pris en photo encore. Je vous le ferai. Je vais vous laisser visionner cette petite vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça se passe en barre d'infos, comme d'habitude. Au passage, des petits pouces, ça fait toujours plaisir et ça fait connaître la chaîne. Et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous. Je vous mets les liens en barre d'infos également. Allez.
Thank you.
Thank you.